Bien, salut à tous, c'est l'heure. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit Minecraft Cities, l'épisode numéro 10. Donc, on se retrouve pour la maison. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est ma maison, la maison du maire. Donc, on s'était laissé sur l'école. On avait fait l'école en dernier, je crois, c'est ça. Et là, donc, on va passer à la maison. Donc, j'ai déjà commencé à faire un petit peu les alentours, les grillages, des trucs en bois, tout ça, et un chemin qui va autour. Et de l'autre côté ici, on aura la maison de Az, donc aussi qui va être aussi le maire dans cette ville. Bien sûr, je vous rappelle, c'est une map aventure. J'ai déjà quelques idées. Je vais pas vous en parler, pas vous spoil, mais j'ai déjà quelques idées d'aventure. Donc, je verrai avec Az par rapport au comment le bloc si c'est possible. Alors, ma maison. Donc comme vous pouvez voir, je vais la faire moderne. J'ai déjà expérimenté ce type de maison dans notre série aventure qu'avec Aznox, que on avait beaucoup de problèmes au niveau des maps. Oh, je me rends compte que je me suis trompé. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Donc oui, j'ai déjà expérimenté ce type de maison moderne. Ça rend pas très mal. Ça rend pas mal. Je vais encore le faire. C'est un petit peu une ville moderne. Ici, Ira. Hop, hop, on monte tout. On monte tout. Voilà. Bien sûr, comme je l'ai dit, As pourra faire sa maison qui, bien sûr, va être moderne. Il va pas nous faire un truc médiéval dans cette ville. Donc voilà. Hop. Voilà. Voilà comment ça va rendre. Je vais faire le toit. Vous allez voir que ça va beaucoup changer. 112. C'est pas 112, c'est 125. C'est pas 125, c'est. Si c'est ça. Si c'est bien ça. Voilà. Donc voilà comment ça va rendre. Avec ça qui va descendre là. Voilà. Ça rend vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Ah oui, c'est vrai. Ici, on va monter les murs, mais en gardant un. Comment je pourrais vous dire? Comment je pourrais vous dire ça? Par exemple, là, je mets un plus loin. Voilà. Expliqué comme ça, un plus loin. Donc voilà, ça va rendre tout aussi bien. Là, par contre, ouais, ici, il faut que je fasse exactement le même endroit. Marcher sur une maison à deux étages. Hop, c'est plus simple de le faire en créatif qu'en survie. Ça, je peux vous le voir. Il y avait pas 10 en plus. Voilà. Après, on va faire le toit. Là, par contre, le toit, hop, on va faire 755. Le toit, en fait, faut pas qu'il soit. Voilà, 765. Hop, voilà. Voilà, un truc comme ça. Tout ce qu'il y a de plus normal. Ça rend plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On va mettre un sol ici. Normalement le sol devait être en mesure brique, mais on va pas faire un double sol. Qu'est-ce que je veux dire? Hop, ici ça va être des ouvertures ouvertes. Ça va être des ouvertures ouvertes. Après il y aura plusieurs détails. Là je fais pas les détails. Ah, je fais un petit peu les alentours. Ouais, on va les avoir comme ça. Hop. Voilà. Voilà, bah voilà. Ça rend déjà plutôt pas mal. Je suis assez fier de moi. Ouais. C'est bien, c'est bien. I like it. Ouais. On verra après. Après, ouais, je peux même faire ça. 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 Hop. Voilà. Déjà. Ça, ça rend pas mal du tout. On peut même prendre ça pour faire ça. Mais vous voyez, il va y avoir beaucoup de.
beaucoup de, comment ça s'appelle, de détails, c'est ça qui va rendre la maison assez jolie. Voilà. Donc, je vais un petit peu faire l'extérieur, les vitres, tout ça, puis on se retrouve pour meubler l'intérieur tous ensemble. À la toute. Eh bien, alors, tout le monde, c'est bon, j'ai terminé l'extérieur de la maison. Et pour dire ça, oh, ici, ça rend vraiment pas mal du tout. L'extérieur rend vraiment pas mal sur ce côté-là. J'ai bien, j'ai fait plein de détails. Ouais, on va laisser ça pour l'extérieur, c'est très bien. Maintenant, pour l'extérieur, on va le faire ensemble. J'ai pensé à un escalier en colimaçon. Mais le problème avec ces escaliers-là, c'est que c'est moche. Il faut bien les faire, sinon c'est horrible. On peut monter ça. Comme ça. On va monter jusqu'en haut. Voilà. Et soit on met ça. Soit je mets des escaliers pareils que le sol. On va voir ce qui... si c'est beau. Faut des plaques de pression. Des plaques de pression des... ils sont là. Puf. Voilà. Après, on se soucie pas de si ça, si la personne va tomber ou quoi. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on va d'en bas. Ça rend pas mal. Ouais. Ça rend pas mal du tout. On va le laisser. On peut mettre des petits. Ouais, là-haut. Voilà. Ah, c'est bien. Excellent. Donc là, il va y avoir deux portes d'entrée. On va faire un siège. Un siège, un lit. Alors, il me faut des lits. De la laine rouge. Ça. Des leviers. Plein d'idées. Des leviers. On peut pas mettre de tableau. Je pense que vous en doutez pourquoi. Faire là la télé, voilà, ici. Alors ce canapé là, je sais pas si vous avez connu, pour enfin pour ceux qui connaissent Fantasy Bob, vous connaissez bien Fantasy Bob. Je pense que maintenant tout le monde les connaît, mais pour ceux qui connaissent ce type de canapé que j'ai trouvé vachement bien fait, et ben, c'est que vous êtes un vieux de la vieille de Fanta et Bob. C'est vraiment un vieux truc qu'il a fait. Il y a très longtemps que j'ai vu cette vidéo. Et voir un petit canapé comme ça, c'est pas du tout dans le DQ pour ceux qui se demandent. C'était dans... je sais plus du tout le nom. Si, non, c'est le nom, je m'en souviens, le nom de l'émission, oui. Parce que je connais tous les noms de leur émission. Mais c'était pas dans DQ, bah, c'était dans Overplay pour ceux qui sont connus. Ouah, c'était un petit format de 4 heures qu'ils avaient fait, c'était bien sympa. Et ouais, c'est vrai que c'était une bonne idée de faire un truc comme ça. Il avait rajouté aussi des échelles derrière. Qui rendaient plutôt bien. Alors, maintenant, on va pas faire de cheminée, proprement parler. On va faire une cuisine. Alors, à la cuisine, on va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre de la... avec Exterior Pack, on peut pas prendre des blocs de fer. On va prendre de la neige. On va prendre un bouton. On va prendre ça. Des plaques de pression. J'ai rien oublié? Non. Je crois pas. Alors, on va mettre ça là. Ça là. Ça là, ça là, ah, je voulais prendre des coffres. Voilà, voilà, avec une table de craft au milieu, histoire de faire un petit peu de déco.
bloc de bois, on va faire un genre de plan de travail. Ça. Oh, une petite cuisine qui va bien, qui fait très beau. Sachant que ça c'est ma maison et que je ne ferai pas celle d'Az, parce que je vais lui laisser le privilège de la faire, parce que it's sa maison, c'est sa maison, c'est la sienne. It's not la mienne, voilà. Aussi, ouais, j'ai oublié de mettre. On va mettre, vous savez quoi, une grande table directement. Je vais mettre une petite table de cuisine, mais on va pas s'embêter. On va mettre une table assez grande pour l'instant. Voilà. Une table de 4. Non, bien plus. Ah, oh, une table de 6. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On peut mettre des carpettes avec. Un gâteau, un cake, cake là, un cake là, avec ça, deux endroits de table. Voilà, bon bah ça rend pas trop mal. Je peux même rajouter paint ici. Hein. Ça n'est qu'on ait un à la taille du truc. Ce serait la vie. Allez. Allez, non, 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 ça n'en va rien, non. C'est dur de trouver. Hein. Ah, voilà. Ça, c'est bien. On peut même mettre un truc noir. Plutôt. Noir. Voilà, hop, ici pour entrer et à l'extérieur. À l'extérieur, voilà, on va mettre ça. On va laisser de la terre à l'extérieur et puis j'essaierai de faire des décos. Comme ça, je ferai en off les décos extérieurs. On va passer en haut. On va voir ce qu'on peut faire. Je sais pas du tout combien de temps durera cet épisode, mais c'est pas grave. On va pas faire des pièces proprement parlant. On va faire plein de choses ouvertes. Donc, je vais me faire un lit. Un lit, tout ce qui est plus basique. Voilà. J'ai une crampe mollet. Voilà. C'est pas grave. On va mettre ça là, ça là. Ça là, là, là. Passer ma jambe dessus. Voilà. Voilà. Maintenant, on va faire une belle douche. Une belle douche. Une belle douche. Faire une douche ouverte. Le maire, il s'en fout. Il se douche. Tout ce qui est plus normal. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un chaudron. Maintenant, je sais comment ça s'appelle. Mais en anglais, c'est caudron. Cauldron. Hop. On met un genre de petit chaudron. Avec un petit peu de chance. Hop. Ok. Tombe. Voilà. Et en dessous, pour que ça fasse. Moins moche, on va mettre une quartz slab juste en dessous.
Voilà. Ça fait pas moche, ça fait bien. On voit pas, c'est pas la première chose qu'on remarque en entrant. Ah, voilà mon lit, tout ça. Et bah voilà, on a bientôt terminé. Ici ça va être complètement ouvert. Voilà. Voilà, bon moi j'aime bien, ça fait vraiment pas mal, j'ai oublié de faire les toilettes. Bon les toilettes, la mer il s'en fout, il fait pas pipi. Enfin pipi dans la mairie. Est-ce que je peux faire ça un jour comme j'avais fait avec ça? Voilà. Bah voilà, ça rend vraiment pas mal cette maison. Petite maison. Je vais faire l'extérieur off et je vais vous montrer dans le prochain épisode qui va sûrement être l'épisode. Enfin, qui va être l'épisode 11. Je ne sais pas encore sur quoi je vais le faire. Faut que je trouve des idées. Parce que c'est bien de construire, mais faut aussi trouver des idées. Donc, on efface tout l'inventaire. Donc on se retrouve pour un prochain épisode. On va voir. Ouais, je vais arrondir un petit peu. On se retrouve pour un prochain épisode, l'épisode 11. On verra ce qu'on va faire. Puis je vous montrerai aussi l'extérieur. Kiss tout le monde, à la prochaine. C'était Lornimer. Bye bye.